Bonjour à tous. Voilà une nouvelle histoire d'automne, une nouvelle histoire de pluie et une nouvelle histoire de voyage. J'espère qu'elle va vous plaire. Pique-nique sous la pluie. Naokata Mase. Pique-nique sous la pluie, Naokata Mase. Aujourd'hui, on va pique-niquer. Tout le monde attendait cette journée avec impatience. Nous partons en car cueillir du raisin sur la montagne au raisin. Oh, mais il pleut depuis ce matin. Il pleut de plus en plus. La pluie s'arrêtera-t-elle quand nous arriverons à destination? Nous traversons la ville en direction de la montagne. Oh! Nous passons par la montagne aux érables rouges. Il pleut toujours. Puis par la montagne aux érables dorés. Il pleut toujours. Après un nouveau tunnel, la rizière. Il pleut toujours. Encore un tunnel et nous découvrons la prairie. Il pleut toujours. Nous traversons maintenant les champs de campagnols, mais il pleut toujours. Soudain, la mer apparaît. Il pleut un peu moins. Voilà enfin la montagne aux raisins. Nous sommes arrivés au sommet. La pluie s'arrête complètement et un arc-en-ciel se dessine devant nous.
Nous avons fait une belle cueillette et nous nous sommes régalés de délicieux raisins. Nos paniers sont remplis de grappes et il est temps de rentrer. Voilà une histoire que nous avons lue en classe au moment de la dégustation des raisins. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.